Tifa! Je vais chercher les autres. Cloud. Quand on était petit, on nous disait que les morts traversaient le mont Nibel. Tu te souviens? Ouais. Une ruse des parents pour dissuader les enfants d'aller dans la montagne. Mais toi, t'y croyais, n'est-ce pas? J'étais très sceptique, moi aussi. Mais bon, je me forçais à y croire. J'espérais tant pouvoir retrouver ma mère. Emilio et les autres disaient qu'ils m'aideraient. Alors on a bravé le danger. Et puis, ils sont rentrés au village en te laissant là-bas. Oui, apparemment. Tu t'en souviens pas, c'est ça? Quand je suis tombée de la falaise, je me suis cognée la tête. Il y avait une période de 6 mois dans ma mémoire qui était plus tout à fait claire. Les autres m'ont dit comment ça s'était passé et certains détails m'ont surprise. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que c'était toi qui m'avais incité. Mais là, ça m'est revenu. Je sais maintenant que t'avais volé à mon secours. Merci, Cloud. Ce jour-là, pour moi, t'étais un héros. Je mérite pas tant d'éloges. Ce jour-là, je suis tombé de la falaise avec toi. Mais là, je t'ai poussé dans le réservoir. Il y a des fois où je sais plus trop qui je suis. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses évidentes. Mais il y a des trucs que je suis pas censé savoir. C'est comme si j'avais plusieurs personnalités. Et je sais pas du tout laquelle est la vraie. C'est déstabilisant. Ouais. Les cellules des soldats dégénèrent. Je crois que c'est ce qui est en train de m'arriver. D'un coup. Brutalement. T'inquiète pas, ça va aller. Cette fois-ci, c'est moi qui vais te protéger. Inquiétiez? Désolée. Elle est pas mal, cette chambre. Tais-toi! À plus!